On a augmenté l'allowance qu'on donnait aux lauréats parce qu'il y a eu dans le passé plusieurs mêmes lauréats, mêmes parents, qui disaient nous trouvons la somme qu'ils donnaient pas suffisante. Alors bien sûr, le ministère des Finances, le ministre des Finances, à l'écoute, et cette fois-ci, le Premier ministre et le ministre des Finances, il a assuré qu'il y a une augmentation dans la somme qui nous, de l'allowance qui nous donne 20 lauréats. Bien sûr, il est important aujourd'hui, c'est un jour que nous célébrer le succès de nos jeunes, de nos enfants, et nous trouver que de plus en plus, certains brillent et gagnent de très bons résultats. Mais l'important, c'est comme M. Diallo tout à l'heure là, c'est en plus de ce succès académique, nous avons aussi à ceux autres qui gagnent la possibilité, la qualité, la skills, comment on va nous dire, qui vous permet de travailler en collaboration avec les autres, travailler avec un esprit d'équipe et bien sûr réussir. Là, ce qu'ils nous demandent tous les bonnes jeunes lauréats, qui nous appellent les bonnes Bright Minds, qui eux-mêmes vont retourner avec l'idée, avec façon de faire différente, l'idée innovative, et qu'ils sont capables, quand ils retournent au pays, travaillent pour le pays. Tout à l'heure, cette gagne de connaissances qu'ils font, et toujours penser qu'ils ont besoin de servir ce pays à un moment ou à un autre, pour qu'ils aient assuré que ce pays aussi avance au même pas, au même rythme que le monde qui avance. Et bien sûr, quand je retourne, j'ai quand même une facilité. L'avant-dernier budget, c'est venu avec certaines mesures qui pour attirer un jeune qui finit établi à l'étranger, vient servir le pays. Mais pour nous dire, maintenant servir le pays, ce n'est pas seulement en étant physiquement présent avec la technologie ou pas, servir le pays, même de l'extérieur. Mais l'important, c'est que de reconnaître que le pays a besoin de nous. Bright Minds, come on.